puisque nous avons fait le déplacement jusqu'au rond-point de l'Europe, nous allons profiter de faire un petit film simplement pour replacer les commerces dans leur contexte, puisque le film que nous avons posté ce matin se trompait de localisation, c'est-à-dire que le Quick, on pensait que c'était un Wok, et inversement. Et en fait, donc, la position des commerces est légèrement différente à celle qu'on avait vue sur la fameuse machine 3D des rendez-vous d'Aulnay. Donc là, quand on arrive, vous avez donc le KFC qui est juste là, sur la gauche, avec le drive, et puis le restaurant classique. Ensuite, sur la droite, donc là, nous, on pensait que c'était le Quick, mais en fait, non, ce sera le restaurant asiatique. Donc là, cette fois-ci, on ne peut pas se tromper parce que le nom de l'enseigne apparaît déjà. Donc vous voyez, c'est marqué buffet asiatique. Et donc c'est un jeu de mots, ce sera un wok. Et ça s'appelle Wok and Roll. Donc voilà, vous voyez un petit peu, hein, une certaine unité dans les tons, dans les couleurs. Donc ensuite, on continue un petit peu. Hein, donc je suis en vélo. Donc c'est une visite presque virtuelle, hein, regardez, je le prouve. Nous ne mentons pas à Aulnay Libre. Donc je suis en vélo. Et là j'arrive donc sur le Quick. Donc à l'origine, quand je l'avais filmé, je pensais que c'était le Wok, mais en fait c'est le Quick, donc il est relativement grand. Donc j'ai joint le service communication et donc j'ai cru comprendre qu'en fait les deux restaurants, que ce soit le restaurant de Paris Nord et celui-là, devraient coexister. Après j'imagine que la logique économique éventuellement pourrait changer la donne, mais ça évidemment ce sont des supputations. Et ensuite, donc là c'est la dernière surface et qui elle est un Lidl. Donc on voit la structure, donc l'intérieur, on va zoomer. Donc ici, donc le Lidl, donc toujours quand même une certaine unité de ton. Hein, comme quoi, hein, finalement, on arrive avec un peu de bonne volonté à respecter une sorte de logique, de logique architecturale. Donc en fait, si on est dans la zone pavillonnaire, après, il ne faut pas s'étonner si les gens ne veulent peut-être pas des immeubles de 15 étages. Hein, voilà, c'est un petit message que je glisse au passage. C'est juste du bon sens, c'est tout. Hein, si au niveau du plan local d'urbanisme, il y a des zones, des zonages, et qu'on a placé certaines zones en zone UG, c'est pas après pour les dynamiter avec de l'habitat qui n'est pas inséré dans l'existant. Voilà, au passage. Donc on va terminer sur les travaux en cours. Du nouveau bâtiment de la CAF, donc il va y avoir aussi des logements. Donc de mémoire, je crois que c'est une quarantaine, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être 60, je ne sais plus exactement, mais vous voyez que tout le secteur est en travaux et en pleine rénovation. Et c'est vrai, quand on voit le bâti, on se dit que effectivement ce n'est pas du luxe. Donc le quartier est en pleine mutation, comme beaucoup des quartiers du Nord, du reste, que ce soit la Rose des Vents et là un petit peu la cité de l'Europe. Sachant que les prochains sur la liste sont plutôt situés également dans le Nord, principalement avec Mitry en Bourget. Voilà pour ce soir. Aussi, je vais zoomer sur la grue aussi, parce que c'est... Enfin, on fait des photos sur les blogs de grues. Donc c'est super, super intéressant. Voilà, bonne soirée à tous et à très bientôt sur Aulnay Libre.